Bonjour tout le monde, bon dimanche. Good morning everyone, happy Sunday. Merci d'être des nôtres encore une fois aujourd'hui. Ça fait maintenant plusieurs semaines que les experts de santé publique demandent aux Canadiens et les aider à freiner la propagation de la COVID-19. Il faut travailler de la maison, canceller les soirées entre amis ou les faire en ligne, limiter nos déplacements et éviter les rassemblements. Je sais que ce n'est pas toujours facile, donc je veux d'abord dire merci à tous ceux qui suivent les directives. Pour ralentir la propagation du virus, on doit tous faire notre part. On doit tous faire des sacrifices pour protéger non seulement notre santé, mais celle des autres. Les ajustements que les gens font cette semaine sont rassurants, mais il faut continuer. I want to once again thank everyone who's working overtime to keep us safe and keep the country moving. Hospital staff, border agents, store clerks, cashiers, postal workers, delivery folks, pharmacists, cleaning staff, first responders, truck drivers, train conductors, and so many others. They've been working every day so we can work from home and practice social distancing. Thank you for being there for us. Know that all Canadians are grateful for your service. I know that many of you are worried about what might happen next. You're wondering how long this is going to last. You're wondering about your job and your savings. You're worried about your kids not being in school. And we get it. These are uncertain times, and families across the country are concerned. That's why this week, we took important steps to support Canadians, protect jobs, and limit the spread of the virus. We unveiled an $82 billion plan to help people and businesses who've fallen on hard times because of COVID-19. As part of this plan, we want to boost the Canada Child Benefit, introduce new benefits to help people who don't qualify for employment insurance, and supplement the GST credit, amongst many other things. Our government also announced new funding for research and a new strategy to mobilize industry to fight COVID-19. After conversations with our colleagues on the other side of the aisle, I can now confirm that the House of Commons will be recalled on Tuesday at noon so we can pass emergency legislation that will put our plan into motion. On that note, I want to thank the House leaders for their cooperation and the members of the opposition for their efforts as we work together to slow the spread of this virus. I know that together, we can protect Canadians, save jobs, and set the groundwork for our economy to rebound after this crisis. En plus de notre stratégie économique, nous avons annoncé de nouvelles restrictions de voyage. Nous avons temporairement fermé nos frontières aux voyageurs internationaux. Nous avons également conclu une entente avec les États-Unis pour interdire les déplacements non essentiels entre nos deux pays. Et nous continuons d'encourager les Canadiens qui sont à l'étranger de rentrer chez eux. Mais je sais que beaucoup de gens ont encore la difficulté à trouver un vol pour revenir au Canada. Hier, j'ai annoncé que notre gouvernement travaillait avec les compagnies aériennes canadiennes pour faciliter le retour des Canadiens au pays. Un premier vol d'Air Canada en provenance du Maroc est arrivé hier soir et d'autres vols vont être ajoutés. Pour sa part, WestJet a annoncé que de lundi à mercredi, plus de 30 vols sont prévus pour aider les Canadiens à rentrer chez eux. Air Transat travaille présentement avec Affaires mondiales pour obtenir des permissions spéciales pour voler là où l'espace aérien est fermé. Elle prévoit ramener des milliers de clients au cours des prochains jours. Et lorsqu'il reste des places sur les vols Sunwing à destination du Canada, la compagnie offre le billet d'avion gratuit à ceux qui en ont besoin. You can find more details on what we've announced so far on the government website at canada.ca. And since there's more support coming this week, that's where you'll find all the information you need and the help you deserve. On fait face à une situation sans précédent, et je sais que ça inquiète beaucoup de gens. Et quand vous appelez à Service Canada et que vous n'êtes pas en mesure de parler à quelqu'un, ou quand vous êtes à l'étranger et que vous n'arrivez pas à trouver un vol, ça crée encore plus d'anxiété. Je veux vous assurer
que toute la fonction publique travaille jour et nuit pour résoudre ces problèmes et vous offrir l'aide que vous méritez. Depuis le début, on vous a dit qu'on allait être là pour vous. On vous a promis que notre gouvernement allait tout faire pour vous appuyer. On a franchi plusieurs étapes importantes dans les dernières semaines, mais sachez que le travail se poursuit. On ne vous laissera pas tomber. Vous pouvez compter sur nous. I want to thank you all for helping us slow the spread of COVID-19. To those of you who usually spend your Sundays in a place of worship, thank you for staying home today. I know it's not easy, but it is deeply appreciated. And to all the kids out there, all of a sudden you've heard you can't go on play dates or have sleepovers. Your playgrounds and schools have closed, and your March break was certainly different than what you'd hoped for. I get it from my kids as well. They're watching a whole lot more movies, but they miss their friends. And at the same time, they're worried about what's going on out there in the world and what their future may hold. I know this is a big change, but we have to do this not just for ourselves, but for our grandparents, our nurses, our doctors, and everyone working at our hospitals. And you kids are helping a lot. The doctors and scientists have been clear that social distancing, which means staying at least 2 meters apart and staying home as much as possible, is the best way to help each other. And you're having to wash your hands a lot. So, a special thanks to all you kids. Thank you for helping your parents work from home, for sacrificing your usual day, for doing math class around the kitchen table, and for trusting in science. We're going to have more to say to you soon, so stay tuned. In the meantime, let's make sure we all do our part. Let's fight this together. Merci beaucoup, tout le monde.